Joao Moutinho avec l'ouverture pour Kylian Mbappé. Mbappé qui veut y aller tout seul, qui frappe et la voilà. L'ouverture du score avec Carrio. Ouais, but de Carrio qui joue pas beaucoup, hein, mais qui est souvent bien placé. Rigueur. Voilà, ça va aller vite là encore. Ils sont deux. Ça va être la balle du 2-0 et le voilà, le 2-0. Sans problème avec Lemar qui marque le but sans doute de trop pour cette équipe de Chambly. Avec ce moment d'Enguila, Enguila justement dans la surface qui centre en retrait. Oh la parade, le coup de tête et le troisième but comme à la parade pour cette équipe de l'AS Monaco. On parlait d'Mbappé et Mbappé qui marque, le jeune Mbappé. Et pourquoi pas les sauver, l'honneur, aller marquer un but dans les derniers instants, pourquoi pas sur ce ballon. Et voilà. Et la voilà, la réduction du score que l'on attendait, Aline. Ouais, c'est Anthony Soumervi hein, qui est venu finir sur ce bon travail. Peut-être quelques joueurs monégasques qui sont un tout petit peu démobilisés, il faut pour les joueurs du National en profiter, la talonnade, le centre, et voilà, le deuxième but de Chambly, le but de Jean Drey. Il venait de rentrer, c'était son deuxième ballon. Qui réduit la marque à 3-2. Fabinho qui est obligé d'essayer de défendre Couturier, qui a réussi à jouer le ballon avec les remplaçants. Maintenant avec Poplard, la frappe et l'égalisation. L'égalisation de Chambly à 3-2. Ah, c'est encore Anthony Soumervi hein, qui va être vraiment l'homme de ce match. Un ballon important là pour le club monégasque. Et le voilà. Ouais, une occasion qui est transformée. Ah, c'est Kevin Endoram. C'est Endoram, effectivement, le fils de Japheth Endoram qui marque. Et Monaco qui reprend l'avantage à 4-3, qui a peut-être fait le plus dur là en allant marquer. La décision se serait faite avant. Elle a été faite, la décision. Il y avait 3-0 à un moment. Attention à cette balle qui est prolongée par Germain. Ouais. Et le voilà, le cinquième but. Ouais, qui est marqué, ben voilà, c'est lui qui vient de marquer, c'est Kamil Glik, le Polonais. Ouais. Là, cette fois-ci, quand même, ouais, à 5-3. De but. Là, à mon avis. Est-ce que ça peut passer avec Poplar? La frappe. Oh, et Chambly qui marque. Qui est-ce qui marque là? C'est Padovani, je crois, qui marque. Padovani pour il le but. Il se rappelle au bon souvenir des Monégas parce qu'il a été formé là-bas. Sur ce dernier ballon Monégas, la dernière talonnade, va-t-il y avoir un dernier but? Non. La frappe est à côté, mais ça va suffire. C'est terminé. C'est Monaco qui se qualifie. Le public applaudit évidemment à Touron. Il y a la déception. Il y a des joueurs de Chambly qui tombent au sol, qui sont passés très très proches de l'exploit. Ils ont poussé cette équipe qui brille en Liga en prolongation, Aline.